clinique Saint-Luc de Bruxelles, une opération à cœur ouvert, vient de démarrer. Entre les mains d'un chirurgien belge, le petit Aaron, un bébé français de 6 mois. Quelques jours plus tôt, à l'hôpital cœur-poumon du CHR de Lille. Allez, Aaron. Voilà. Aaron et sa maman viennent ici en consultation préopératoire. Né avec une cardiopathie congénitale complexe, il lui manque le ventricule gauche, l'une des deux pompes du cœur. Pour la seconde fois, Aaron va être opéré à Bruxelles. Bébé cardiaque, pionnier d'un partenariat médical transfrontalier inédit. Les enfants, à l'époque, allaient à Paris, mais ça nous posait, nous, un problème logistique très important. On était dans l'incapacité, vu la gravité de la cardiopathie, de les transférer à Paris, parce qu'il faut le SAMU, il faut l'hélicoptère, et parfois la météo ne nous permet pas, ce qui va aggraver considérablement ces enfants-là avant d'arriver dans les centres de chirurgie. Donc le CHU de Lille a considéré qu'il fallait absolument développer la chirurgie cardiaque intramuros au CHU de Lille parce que nous avons les équipes, les moyens, il manquait une expertise qu'on est en train d'acquérir. La famille d'Aaron, originaire de Valenciennes, n'aura aucun frais médicaux à avancer ni à débourser pour le faire opérer en Belgique. C'est un bloc opératoire qui va durer à peu près 4 heures. Et cela grâce à un Interreg, un fonds européen qui finance cet échange. Vous avez l'impression de faire partie d'une expérimentation aussi dans cette période de transition. C'est bien qu'une équipe soit formée. Bon, après, c'est avec mon bébé, donc c'est bien aussi. C'est bien. Ça servira pour d'autres enfants après. Ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce qui est important. Donc, ça sera plus facile pour eux. Le jour de l'opération est arrivé. Oui. Oui. Bonjour, madame. Vous pourrez accompagner jusque dans la salle d'op. Jusqu'au moment où Aaron sera endormi. Voilà. C'est ce professeur belge qui va opérer Aaron. Il est également chargé de former ses homologues lillois. Ce programme, initié il y a 7 ans, est aujourd'hui bien concret. Nous allons commencer à travailler à Lille en mars 2020. D'ici là, les différentes spécialités de notre spécialité, c'est-à-dire les infirmières panseuses, les réanimateurs, les anesthésistes et les chirurgiens cardiaques, vont acquérir cette compétence supplémentaire à celle qu'ils ont déjà et qui est déjà excellente. Une prise en charge globale qui s'appuie sur le partage des compétences. Il y a de la science, bien sûr, mais il y a la pratique de la technique et c'est en partageant ensemble qu'on évolue. Et donc, ça, c'est, pour nous, c'est du positif et pour eux aussi. À travers ce partenariat franco-belge exceptionnel pour la chirurgie cardiaque infantile, c'est l'Europe qui s'écrit. En 2020, Aaron sera à nouveau opéré, mais cette fois au CHR de Lille, par des chirurgiens français formés à Bruxelles. 450 petits patients des Hauts-de-France devraient potentiellement bénéficier de ce partenariat.